Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Quintet Flash direction ce lundi sur l'hippodrome de Cran avec un superbe événement. En effet, la finale du Trophée Vert, on va évoluer sur 2775 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour le meilleur. Et sans plus attendre, on y va avec nos bases. Le numéro 16, Clark Soto, actuel 3e du classement. Il s'est imposé lors des étapes de Lagacille et Granville en rendant 50 mètres. Il n'en rend plus cette fois que 25. Je pense qu'il peut s'imposer dans cette finale et remporter par la même occasion le Trophée Vert. Attention au 13, duel du Gers. Trois sorties dans le Trophée Vert cette année, 2e à Royan, 4e à Granville et La Roche-Posay, actuel 8e du classement. Un succès comme en 2020 puisqu'il avait remporté la finale lui permettrait de prendre le maillot jaune et de remporter ce Trophée Vert. Je pense qu'il doit tout simplement lutter pour la victoire. Le numéro 15, Elvis du Vallon, qui vient de peaufiner sa forme sur l'herbe de Montier-en-Dière. Il n'a pas d'ambition pour la victoire finale, mais juste pour cette finale. Je me dis qu'en qualité intrinsèque, il a tout à fait le droit de jouer les tout premiers rôles. Les opposants avec le numéro 11, Freja Dupont, qui a recouvré son meilleur niveau. Elle s'est imposée avec la manière lors de l'étape de la Palmyre. Sur sa lancée, elle a encore son mot à dire. Les ambitions sont là. Le 10, By and By, c'est tout simplement le leader actuel de ce Trophée Vert avec un succès à Villeneuve. Des accessites à Montluçon, à Royan, à Lagacille. Premier ou deuxième, et il a assuré de l'emporter. Ça va être toutefois compliqué, même si l'engagement en tête est favorable. Je vois plus pour une petite place et puis je pense qu'il y a meilleur au départ. Le 5, Diego de Cao, qui vient d'enchaîner 5 victoires sur l'herbe, dont l'étape de Montier-en-Dière. Il est bien engagé en tête. Il se transcende actuellement. Il peut causer une vie surprise dans cette finale. Pourquoi pas même une victoire? Attention à lui. Le coup de poker, ça sera l'As, Eastern My Life. Quelle constance! Il excelle sur l'herbe, notamment 3e sur l'étape de Royan. L'engagement en tête est favorable. Lui aussi peut brouiller les cartes et faire afficher une très belle cote à l'arrivée. Les outsiders avec le numéro 12, ce retour d'Oscar. Alors la constance n'est pas son fort et l'herbe ne passe pas pour être sa meilleure surface. Toutefois, il vient de prouver sa forme sur le sable, enfin du moins au sable d'Olonne, sur sa lancée. Attention à lui. Le 14, Brillant Madric, il est moins constant cette année, mais a toutefois remporté l'étape de Tours en rendant 50 mètres. Il vient de se changer les idées sous la selle. Connaissant l'adresse de son driver Alexandre Abrivard, on ne peut pas l'éliminer. Le numéro 9, Cash de l'Alba. Trois accessibles dans ce trophée cette année, à Tours, Vitré et à Agon. Actuel 5e du classement final, il peut lui aussi ambitionner la victoire, mais je pense que ce sera plus compliqué. On va dire que pour une petite place, on va s'en méfier. Le numéro 3, El Tigre Sega, un vrai spécialiste de l'herbe, notamment vainqueur cette année de l'étape de Vitré, actuellement 6e au classement. Lui aussi peut l'emporter, venait à s'imposer lors de cette finale. J'y crois pas trop, ça sera plutôt de Carlita Girl, qui a remporté l'étape d'Arras cette année en rendant 25 mètres. Elle est ici idéalement engagée en tête, bien évidemment, en forme, en entourage confiant. On va s'en méfier, elle peut causer une vive surprise. Le numéro 4, Dédé de Montauran. Alors, ce n'est pas un champion, mais sa deuxième place acquise sur l'herbe à Royan en début août peut lui laisser espérer accrocher une petite place. La course est vraiment très ouverte pour les accessites. Enfin, le 6, Clyde Delaroche, qui s'est placé dans les étapes de Tours, Arras et Royan. Il est de nouveau barré pour la victoire pour moi, mais difficile de l'écarter pour une 4, 5 place. Vous l'aurez compris, ça ne va pas être simple de trouver les outsiders. Les délaissés, il en reste deux. Le 7, DS de Guéron, qui s'est déjà bien comporté sur l'herbe par le passé, mais c'est dernier résultat inquiète un tout petit peu. L'engagement n'est pas idéal. Je ne suis pas sûr qu'elle soit compétitive pour la moindre place dans cette épreuve. Tout comme le numéro 8, Diadem Blue. Seulement 2 accessites lors de ses 20 dernières tentatives. Il est loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Je l'élimine là sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette superbe finale du Trophée Vert. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu.